Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, nous sommes en direct, justement le premier direct fait à partir d'Abidjan. Et le sujet est vraiment d'actualité. Nous allons traiter la question sur l'évangile de prospérité. Mais bon, je voudrais demander à chacun d'entre vous d'inviter vos amis. C'est effectif. Nous sommes en direct. Invitez vos amis. Le temps, nous assurer que tout le monde est effectivement connecté. Voilà, et nous allons passer d'agréables moments dans sa glorieuse présence. Je transmets donc mes salutations les plus chaleureuses aux internautes, aux frères et aux sœurs qui sont connectés en ce moment. Et je vous garantis qu'on va passer des moments extraordinaires dans sa glorieuse présence. Et que l'attente de chacun d'entre nous soit grande afin que nous puissions être éclairés au sujet de sa glorieuse parole. Car la parole de Dieu est vérité. Que Dieu vous bénisse richement. Juste une seule seconde, en attendant que voilà, chacun d'entre nous soit effectivement connecté et que nous puissions donc aller dans le vif du sujet. On célèbre la grandeur de notre Dieu, nous célébrons la grandeur de notre roi, Jésus-Christ le Seigneur. Il règne et son règne n'a point de fin. Les questions seulement. Ah, c'est super. Là, je salue Yannick Okora, je vois en direct, Edith Compaoré, les vainqueurs d'Ayala, Alex Ekissi, Yolande Jarus, Tibus, que Dieu vous bénisse richement, Blaise Kofi, à toutes les personnes connectées. Que Dieu vous bénisse richement, richement, richement. Notre Seigneur Jésus est digne d'être élevé. Notre Seigneur est digne d'être exalté, que la gloire lui soit rendue, que l'honneur lui soit donné. Sa fidélité est infaillible. Quel Dieu merveilleux il est, quel Dieu fabuleux il est. Alors, nous allons aller directement dans le vif du sujet, mais avant, je voudrais vraiment qu'on puisse ensemble, hein, là où nous sommes, célébrer la grandeur du roi. Il est bon, n'est-ce pas? Il est digne. Amen. Il est digne d'être élevé. Notre roi est digne d'être exalté. Amen. Parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Oh, entre ses mains, il tient ma vie pour ce temps et d'éternité. Je sais qu'il vit. Oh oui. Parce que Jésus vit, et je n'ai rien à craindre au mélangement. Oh, sont assurés, oh, entre ses mains, Jésus tient ma veille pour ce temps et d'éternité. Je sais qu'élever. Alléluia. Notre Seigneur est vivant. Notre Seigneur est glorieux. Il est resté d'entre les morts. La puissance de la résurrection habite en chacun d'entre nous. Et notre espérance en Dieu ne sera pas déçue, ne sera pas vaine. Que Dieu vous bénisse richement. Mes salutations encore à vous tous. Bénicien Conan, Mayel, Brian Fosso, à toutes les personnes connectées en ce moment, que la grâce de l'Éternel abonde vivement. Allons-y donc maintenant sur le thème pour lequel vous êtes si nombreux connectés sur la planète en ce moment précis. Il est question de l'évangile de la prospérité. Premièrement, je voudrais commencer par cette déclaration. L'opinion que nous devons nous faire d'un sujet ne devra pas venir de la pensée d'un homme ou même de ce qu'un ange a dit, mais plutôt de ce que la parole de Dieu déclare. Car la Bible dit « la parole de Dieu est vérité ».
Donc nos opinions devraient prendre leur ancrage dans les Écritures. Et non sur ce que je pense, ce que Y pense, mais plutôt ce que Dieu pense. Ça, c'est très important. Parce que l'homme est faillible. Seule la parole de Dieu est vérité. Et nous ne devons pas oublier que l'erreur est la parole de Dieu qui est prise hors de son contexte. Donc nous allons traiter cette question en nous axant uniquement dans la parole de Dieu. Premièrement, j'insiste sur le fait qu'il n'existe pas d'évangile de prospérité. C'est un abus que d'appeler l'évangile l'évangile de prospérité. Mais comme c'est comme ça qu'on connaît l'évangile qui annonce que Dieu veut que les hommes soient heureux, qui annonce que Dieu veut que les hommes soient en bonne santé, qui annonce que Dieu veut que les hommes soient prospères, alors je suis resté sur le thème évangile de prospérité pour permettre à chacun d'entre nous d'avoir une parfaite compréhension du sujet que nous sommes en train de traiter. Donc en fait, il n'existe pas d'évangile de la prospérité, mais il existe l'évangile tout court. Qu'est-ce que c'est l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Et quelle est la bonne nouvelle pour un homme aveugle? C'est qu'il retrouvera la vue. Quelle est la bonne nouvelle pour un homme malade? C'est qu'il sera en bonne santé. Quelle est la bonne nouvelle pour un homme pauvre? C'est qu'il sera délivré de sa pauvreté. Justement, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et il faut comprendre une chose. Chaque fois qu'on parle de richesse, chaque fois qu'on parle d'abondance, vous avez remarqué que le diable est en furie. Les gens sont en émoi. Mais pourquoi? Parce que, en fait, la pauvreté est l'arme numéro un que le diable utilise pour maintenir le peuple de Dieu et l'humain en général en captivité. On ne peut pas aimer la pauvreté si on n'a pas été sataniquement, diaboliquement influencé. Personne créé à l'image et à la ressemblance de Dieu ne peut faire l'apologie de la pauvreté, ne peut célébrer la pauvreté. Non, célébrer la pauvreté, célébrer le mal-être, célébrer le malheur ne peut être qu'une action qui découle directement des antres de l'enfer. Dieu veut que tu sois heureux. Le bonheur est légitime pour tout humain, pour toute personne qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. À plus forte raison, ceux qui sont réconciliés avec Christ, oui, tu as un droit légal au bonheur. Et je voudrais ajouter ceci. Dieu n'a créé personne pour être spectateur de la vie des autres. Non, non. On ne peut pas être recréé en Christ juste pour lire la Bible et voir comment est-ce que Dieu a marché avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu dit, je m'appelle, je suis, pas j'étais. Donc, ce que Dieu a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui et il le fera éternellement. Regardez ce que Jésus lui-même a dit en ce qui concerne sa précieuse parole. Il dit dans Jean 10:10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc ça veut dire que quand on est dans le manque, quand on est dans la maladie, quand on est dans la pauvreté, ce sont les objets voleurs. Et ce voleur, c'est qui? C'est le diable, c'est Satan. Il dit, je suis venu, moi Jésus, afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle soit dans l'abondance. Donc Jésus n'a aucun problème avec l'abondance. Les religieux peuvent avoir un problème avec l'abondance. Ton pasteur peut avoir un problème avec l'abondance. Ton bishop peut avoir un problème avec l'abondance. Ton prêtre peut avoir un problème avec l'abondance. Mais Dieu, ton créateur, n'a aucun problème avec l'abondance. C'est à toi de faire le choix. Soit tu suis les hommes, soit tu suis Dieu. Dans tous les cas, nous avons été rachetés par Jésus-Christ, pas pour être esclaves d'un homme ou d'une pensée humaine, mais pour vivre selon la pensée de Dieu. Il dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, je déclare sur ta vie, en vertu des pouvoirs que Dieu m'a conférés, que l'abondance de la vie sera aussi ton partage. Aucune prophétie, aucune malédiction, aucun sort envoyé contre ta vie ne pourra détruire ces projets divins. Non, l'abondance est véritablement ton partage au nom suprême de Jésus. Oui, si tu ne l'as pas accepté dans ton cœur, tu ne le recevras pas. Et c'est pour ça que la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le suivent. Donc en suivant Dieu, sa parole à ton égard s'accomplira sûrement. Et l'apôtre Paul d'ajouter dans la même Bible, 2 Corinthiens 8, verset 9, car vous savez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, voyez-vous, pour vous s'est fait pauvre, pas pour les anges, mais pour vous qui avez cru, s'est fait pauvre, afin de riche qu'il était, donc Jésus n'a jamais été pauvre, non, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre,
afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. C'est ça l'évangile. Il a porté nos péchés pour que nous soyons justifiés. Il a porté notre pauvreté pour que nous soyons enrichis. Il a porté nos maladies pour que nous soyons en bonne santé. Il a été rabaissé pour que nous puissions être élevés. Il a été maltraité pour que nous puissions vivre le bonheur. C'est ça l'évangile, justement. Il y a quelqu'un qui a payé le prix pour ta parfaite liberté. Ne permet à personne de te remettre captif sous le joug de la religion. Nous ne sommes plus dans la dispensation de la loi. Nous sommes dans la grâce. Il faut bien comprendre la grâce. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Par un seul autre homme, nous sommes tous devenus justes. Et c'est quoi être juste? C'est la capacité de se tenir devant Dieu dans une position de non-culpabilité. Comme si nous avions jamais péché avant. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous regardez la vie de l'homme, quand il n'avait pas péché, cet homme sans péché était dans l'abondance. Cet homme était prospère. Oui, Adam était prospère. Adam régnait sur la terre, dominait sur la terre. Toutes les richesses de la terre étaient au service d'Adam. Donc c'est important de le comprendre. C'est par le péché que la pauvreté est entrée dans le monde. Donc il n'y a vraiment pas de raison légitime de penser qu'aujourd'hui nous devons exalter la pauvreté, vous voyez, célébrer la pauvreté et dire aux gens, écoutez, Dieu n'a pas envie que vous soyez heureux. C'est un mensonge total de Satan. C'est un mensonge du diable. Qu'est-ce que c'est la pauvreté, la prospérité? C'est quoi la prospérité? Allons-y comprendre qu'est-ce que c'est la prospérité. C'est vrai, récemment, lors d'une vidéo de Benny Hinn, il a défini la prospérité comme étant le fait de ne manquer de rien. C'est vrai que Dieu dit qu'il pourvoira à tous tes besoins. À tous tes besoins. Donc, chaque enfant de Dieu a la promesse de Dieu que Dieu pourvoira à tous ses besoins. Et selon sa richesse et avec gloire en Christ Jésus. C'est une promesse. Mais allons-y maintenant. Définis vraiment ce que c'est que la prospérité. La prospérité, c'est l'état de quelqu'un qui est prospère et qui est marqué par l'expansion de l'abondance. Et ça rejoint exactement ce qu'on a vu. L'expansion de l'abondance. La deuxième définition, et je le prends du Larousse, c'est l'état de quelqu'un qui est dans une situation favorable sur le plan économique ou celui de sa santé. Donc ça veut dire que la prospérité ne se limite pas simplement au bien matériel. Ça va plus loin. Il y a la prospérité spirituelle, l'état de ton âme, la prospérité psychique, la prospérité physique, la prospérité matérielle. Et Dieu dit, 3 Jean 2, mon bien-aimé, mon désir pour toi, c'est que tu prospères à tous égards. Dis bien à tous égards. À tous égards que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire qu'en fait, la prospérité prend sa racine de l'intérieur du croyant et se répand à l'extérieur. Donc en fait, une fois qu'on est né de nouveau, qu'on a accepté Jésus dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur personnel, eh bien, nous sommes devenus prospères. C'est à l'intérieur. La sémence de la prospérité est ancrée en chaque croyant. Il n'y a aucun croyant qui est pauvre. La sémence est à l'intérieur. Maintenant, il faut la faire germer. Il faut la faire se développer. Il faut la faire rejaillir au niveau de notre corps, de par la santé, de la vie intérieure qui se répand dans notre corps et à l'extérieur de notre vie. Et c'est ainsi que nous devenons des témoins véritables de Dieu. Oui, Dieu veut pour toi que tu sois son témoin. Que ta vie soit une illustration parfaite pour chaque croyant. L'illustration parfaite de ce que la parole de Dieu annonce. C'est pour ça que nous sommes ses témoins. Oui, que cette grâce t'accompagne. Qu'elle soit avec toi dans tous les domaines de ta vie, au nom suprême de Jésus. Donc la prospérité est donc un état d'abondance réel, manifeste dans la vie de quelqu'un, ok, qui a dans plusieurs dimensions. Dans plusieurs dimensions. Que cela soit ton partage. C'est le désir de Dieu, c'est que tu prospères. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme prospère et il veut l'homme comme il l'a créé au départ. Et c'est ça le sens de la rédemption. Sinon, ce serait mal comprendre la venue de Christ. Il n'est pas venu simplement pour que nous allions au ciel, mais afin que nous commencions déjà à vivre le ciel sur la terre. Il est venu nous restaurer, ramener l'homme dans l'état initial de sa constitution, de son être, de son épanouissement, de la jouissance de la vie, de l'accomplissement du mandat. Voilà la raison pour laquelle Jésus est venu. Et que cela soit à personne. Ne permet à personne
même si c'était un quatri-évêque, un archevêque, un bishop, un pape, un révérend, un pasteur, un apôtre, un ange, quelqu'un qui a dormi sur le même lit que Dieu, qui tient la main de Dieu, qui te dit le contraire, que cette personne soit anathème. La pensée de Dieu pour toi, c'est que justement tu puisses être heureux. Et tout part justement de l'intérieur. Il faut faire attention. Alors, voyez, la Bible dit, psaume 23, l'Éternel est mon berger. Il est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia. C'est la bonne nouvelle. Tu ne manqueras de rien. Dieu pourvoira tous tes besoins selon sa richesse et avec gloire en Christ Jésus. Maintenant, c'est vrai. Je sais que vous êtes nombreux à vous dire, mais pasteur, avec tous les abus que nous avons subis, avec tous les travers que nous avons vus avec cet évangile, dit évangile de la prospérité. Eh bien, écoute-moi attentivement. Est-ce qu'il existe de faux commissaires de police? Oui. Est-ce qu'il existe de faux médecins? Oui. Est-ce qu'il existe de faux pasteurs? Oui. Est-ce qu'il existe de faux fidèles? Oui. Mais est-ce que l'existence du faux met fin à l'existence du vrai? Non. Le faux révèle que le vrai existe. Car il n'y a pas de faux biais de 500$ parce que les vrais biais de 500$ n'existent pas. Donc si aujourd'hui on a des personnes qui ont prêché en faux évangile, c'est parce que le vrai existe. Allons-nous nous taire? Allons-nous nous taire parce que les gens ont falsifié l'évangile? Non. J'ai reçu de Dieu, et je le dis encore, de Dieu le mandat d'annoncer cet évangile, de permettre à chacun d'entre nous, après avoir hérité justement de la grâce la plus excellente, le don du Saint-Esprit, d'entrer en possession de son héritage en Dieu et d'accomplir sa destinée. Donc c'est ma responsabilité en tant que pasteur de soutenir cet évangile, de prêcher cet évangile et je prie que le Saint-Esprit apporte dans le cœur de chacun d'entre nous la conviction qui est indispensable pour que chacun d'entre nous puisse entrer en possession de son héritage. Car ce que tu n'as pas accepté, tu ne le trouveras jamais. Ce que tu as critiqué, ce que tu as condamné, tu n'en jouiras pas. Et donc, c'est ça le drame. Il ne faut justement pas rejeter ce que nous aimons. J'ai vu beaucoup de personnes rejeter les choses qu'elles aiment. Un jour, j'étais dans un avion avec un grand serviteur de Dieu et qui me disait combien de fois, bon, il me donnait l'impression d'être hostile à la richesse. Bon, c'était de son droit le plus légitime. Sauf qu'un jour, je l'ai trouvé dans un supermarché, il était en train d'admirer une belle voiture et il s'exclamait auprès de son collaborateur, « Oh, cette voiture est belle, si Dieu pouvait m'en donner. » Et j'étais juste à côté, je l'ai écouté. Et j'ai tapoté à l'épaule pour lui dire, mais dans l'avion, tu étais en train de rejeter ces choses. Voyez-vous, la Bible dit, heureux celui qui ne se condamne pas dans ce qu'il approuve. Il faut faire très attention. On ne peut pas aimer la pauvreté si on n'est pas diaboliquement influencé. Donc si nous croyons que la richesse est quelque chose de bien, la Bible dit, l'argent répond à tout. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui, justement, ont eu des travers au niveau de l'argent. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons rejeter la richesse. Non, la richesse fait partie du dessein de Dieu. Quand il a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, il a dit à Moïse, dit à tout le peuple, que personne ne parte sans avoir dépouillé les Égyptiens. Pourquoi? Il dit, prenez cet or, cet argent, ces richesses, et allez avec cela dans le désert pour m'adorer. Donc, il n'y a pas de véritable adoration dans l'absence des richesses. La richesse doit participer à l'adoration. Ça doit participer à ton adoration. Donc, Dieu veut qu'avec tes richesses, justement, tu l'adores. Et donc c'est pour ça que même quand Abraham est allé sur la montagne, il dit, moi et mon fils, nous allons sur la montagne pour adorer. Alors qu'il allait sacrifier son fils, justement, à Dieu. Donc c'est vraiment important que nous puissions le comprendre. Hein? Chacun d'entre nous, nous puissions comprendre cela et que nous puissions assimiler de façon claire que Dieu n'a aucun problème avec la question de la richesse. Okay? Mais le problème, c'est ce que nous en faisons. Dieu n'a aucune envie de voir la richesse prendre la place justement qu'elle a dans ton cœur. Et le problème, c'est quoi? Voici ce qui se passe. J'arrive dans le vif. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que plusieurs fois dans nos églises, quand on a parlé d'argent uniquement parce qu'on avait besoin d'un projet, on avait besoin d'argent, on avait besoin de que les gens donnent pour construire une église, pour une campagne d'évangélisation. Non, c'est la mauvaise façon de parler d'argent. Le peuple de Dieu a besoin d'être instruit au sujet de l'argent. Nous ne devons pas cultiver cette fausse humilité qu'on a dans ce domaine précis. Et c'est dramatique, c'est nocif, c'est destructeur. On doit en parler librement. Librement. On ne doit pas parler d'argent uniquement parce que les gens, on a besoin d'avoir de l'argent pour un projet. On doit parler d'argent parce que le peuple de Dieu doit avoir justement la conduite à tenir sur la question d'argent. Et sur ce point, j'ai toujours dit, c'est grave.
d'enseigner, de dire que la dîme est la première condition de la richesse. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des gens dans nos églises qui donnent la dîme, qui donnent des offrandes, qui font des sacrifices et qui ne prospèrent pas. Parce qu'ils n'ont pas été enseignés au sujet de la richesse. Il y a des codes d'accès qui nous permettent d'avoir accès à la richesse. C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors toutes ces choses vous seront données par-dessus. De quelles choses il s'agissait? Il s'agissait des maisons, de la nourriture, de la provision, de ce dont on a besoin pour être heureux sur terre. Enfin, pour pouvoir être accompli, pour pouvoir accomplir des desseins qui sont rattachés à notre existence. Car il ne faut pas oublier que nous sommes son ouvrage, qu'il a recréé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Donc il faut bien qu'on soit instruit parce que derrière ça, maman a profité pour maintenir certaines personnes en captivité. Maman a profité de ces faux enseignements justement pour amener l'Église dans une perversité incroyable. Et ça, je pense qu'il faut absolument éradiquer cela. Imaginez-vous qu'on soit dans un grand pays, beau pays comme la Côte d'Ivoire, pendant les moments où il y a eu ces problèmes ici dans ce pays, pour ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire, sur les questions de placement d'argent, etc. La majorité des personnes qui étaient incluses dans ces mouvements, c'était les gens de nos églises. Moi-même, j'en ai été victime. C'était les gens de nos églises qui étaient dans ces mouvements. Ce sont ceux qui après, ont fui avec l'argent des gens. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été enseignés. Ils n'ont pas été enseignés. Si les gens ne sont pas enseignés, tant qu'on n'a pas découvert la vérité, on reste prisonnier. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Maintenant, quelqu'un m'a posé cette question, mais pasteur, et qu'en est-il donc de ces personnes? Parce que je prends justement une question là, de ce que nous entendons dire, ce que nous enseigne l'évangile de pauvreté. Je répète encore ceci, écoutez-moi attentivement, personne ne peut prêcher l'évangile de pauvreté ou alors exalter la pauvreté s'il n'a pas été sous l'influence de Satan. La Bible dit expressement dans 1 Timothée 4, verset 1, « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Mais oui, justement, dit que Dieu veut qu'on soit malade, Dieu veut qu'on soit pauvre et qu'on aille au ciel, c'est une doctrine démoniaque. Elle est satanique, elle ne vient pas de Dieu. Elle ne vient pas de Dieu. Et vous allez me dire, ouais, mais pasteur, ces personnes qui prêchent la pauvreté, ils nous prêchent aussi la sanctification. Eh bien, allons-y directement dans le vif. Quand tu prêches la pauvreté, est-ce qu'ils ne prennent pas vos offrandes à l'église? Si. Est-ce qu'ils ne prennent pas les dîmes? Si. Est-ce qu'ils vous n'apportent pas pour des projets? Si. Mais comment allez-vous apporter si vous ne travaillez pas? Comment allez-vous donner si vous n'aviez pas? Et ces personnes qui exaltent la pauvreté, est-ce qu'ils n'habitent pas des maisons avec votre argent? Est-ce qu'ils ne roulent pas des voitures avec votre argent? Vous savez à qui ça profite cet évangile? Ça ne profite qu'à ceux qui l'enseignent. Parce qu'en fait, ils bâtissent une fortune de la pauvreté du peuple. Et ça, ça devrait être condamné. C'est méchant. Il y a des personnes qui devraient être, si Dieu n'avait pas été miséricordieux, auraient été éradiquées de la terre à cause de leur méchanceté. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. On ne peut pas dire aux gens, ce n'est pas, vous voyez, Dieu n'a pas envie que vous soyez dans l'abondance et puis après, jouis du peu que les gens possèdent. Non, ce n'est pas bien. Et vous savez, j'enseignais quelque part récemment et je disais aux gens, vous ne pouvez pas dire que l'orange n'est pas sucré si vous ne l'avez pas goûté. Vous ne pouvez pas être dans la pauvreté et puis condamner la richesse. Il faut d'abord en sortir. Il faut démontrer clairement, justement, qu'on a la capacité d'y accéder et puis dire après, bon voilà, je place ma confiance en Dieu, je mets mes richesses au service de Dieu. Comment cet évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre si nous ne sommes pas riches? Il faut bien de la richesse. Dieu n'a aucun problème avec la richesse. Je prends une autre question de quelqu'un qui dit, ça c'est Patricia qui écrit depuis les États-Unis, qui nous dit, on a vu Jésus a demandé à l'homme riche de vendre tout ce qu'il avait et de donner aux pauvres pour le suivre. Hein? Ça, c'est trésor de beauté, plutôt, depuis les États-Unis. Alors, écoutez-moi très bien. Pourquoi est-ce qu'il a demandé à l'homme riche de vendre tous ses biens, de donner et de le suivre? Mais parce que, justement, cet homme riche avait mis sa confiance dans les richesses et non en Dieu. Chaque fois que la richesse prendra la place de Dieu dans votre cœur, vous êtes dans l'idolâtrie. Vous êtes dans l'idolâtrie. Donc, il ne faudrait sûrement pas transformer vos richesses en une idole. Et j'ai vu des femmes dont les maris sont devenus des idoles. Elles servent leur mari, elles ne servent pas Dieu. Elles ne vont plus à l'église, elles n'adorent plus le Seigneur à cause de leur mari païen. Ça, c'est l'idolâtrie aussi. Ta femme peut devenir une idole dans ton cœur.
Et même, souvent même, notre église, notre appel peut prendre la place de Dieu. Pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons? Est-ce que nous le faisons parce que nous aimons Dieu? Ou nous le faisons parce que nous jouissons, justement, des bénéfices que nous confère ce que nous sommes en train de faire pour Dieu? Et ça, seul Dieu le connaît. Donc, faisons très, très, très attention, justement, à ce que nous enseignons. C'est très, très important. L'évangile de la pauvreté est un évangile démoniaque, est un évangile diabolique. Donc, je veux continuer de prendre des questions. Si vous en avez, faites-les-moi parvenir depuis la régie, s'il vous plaît, de vous prendre des questions. Oui, j'ai une autre question ici. Est-ce qu'il est normal pour un pasteur dont le rôle n'est que de prêcher la parole et d'être dans la prière, de vivre dans l'opulence? Est-ce que c'est normal pour un pasteur qui ne prêche que la parole et qui est dévoué à la prière d'être dans l'opulence? Ouais. Bon, maintenant, qu'est-ce que c'est l'opulence? L'opulence, c'est l'abondance de biens, c'est d'être dans l'abondance. Oui, Dieu a promis l'abondance pour toutes les personnes qui le servent. Cependant, je suis d'accord avec vous qu'il est très anormal, et je dis bien très anormal, qu'un homme qui ne prêche que l'évangile, qui ne fait que ça, soit milliardaire. Je dis encore très anormal. Je suis pasteur depuis 11 ans, en tant que pasteur sur l'église, et dans le ministère depuis 22 ans aujourd'hui, 23 ans presque. Et je vous dis une chose, je le pense fortement, les personnes qui deviennent riches uniquement à partir de l'évangile prêché sont dans un abus. C'est-à-dire, quand je parle de richesse, c'est de l'opulence. Ils sont dans un abus. Je pense que les richesses que le peuple de Dieu apporte devant de l'autel devraient servir les intérêts de Dieu, devraient servir à l'expansion de l'évangile, devraient servir à prendre soin des pauvres de l'église, devraient servir à encourager justement à notre communauté, devraient servir la communauté, devraient servir même notre, voyez-vous, ceux qui sont avec nous dans l'église. C'est ce que je pense profondément. Hélas, qu'est-ce qu'on voit? Cet argent ne profite généralement qu'aux leaders de l'église. Pour moi, c'est une aberration. C'est une vraie aberration, et surtout quand on a ces pauvres leaders qui sont des personnes qui condamnent fermement encore que le peuple soit riche. Il y a des personnes qui sont hypocrites. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont hypocrites sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce qu'on veut plaire, on veut paraître comme étant celui qui n'aime pas, qui aime la pauvreté, le pasteur qui est extrêmement sérieux, qui, bon voilà, n'a pas affaire à cette chose. Alors que derrière, allez voir ces pasteurs, j'en côtoie, derrière, dès qu'ils entendent dire qu'on riche est à leur salle d'attente, ils reçoivent le riche avant le pauvre. Oui, 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 oui. Ils reçoivent le riche avant le pauvre. Le pauvre n'a pas accès à eux. Non, non, non. Ce n'est vraiment pas la pensée de Dieu. Nous devons sortir de cette hypocrisie. Dans mon cas personnel, je suis un chef d'entreprise. Je prospère de par mes affaires. Je ne suis pas salarié de mon église. Oui, je ne suis pas salarié de mon église. J'encourage, je forme, je coach des personnes à l'accès à la richesse. Et j'estime qu'autour de moi, comme je le vois et continuerai de le voir, il faut qu'il y ait des personnes qui s'élèvent et qui s'enrichissent et qui sont enseignées au sujet de la richesse pour permettre justement que cette richesse puisse servir à l'expansion du royaume de Dieu. Ce qui est anormal, c'est que nous puissions amasser de l'argent dans les comptes, amasser des maisons à gauche, à droite, et puis dire, je suis béni. Non, la Bible dit que celui qui amasse à l'excès, le fait pour sa propre perte. Nous devons gagner de l'argent pour le remettre au service de l'évangile. C'est ce que je fais. Quand nous avons bâti cette église, mon épouse et moi, nous avons été à 50% les premiers donateurs de tout ce qui s'est demandé. Et c'est un exemple, c'est ce que nous devons faire quand nous prêchons l'évangile, en gagnant son argent légitimement, droitement, justement, de façon intègre, en activant les lois, les codes d'accès qui nous donnent d'avoir, juste de jouir vraiment des avoirs de Dieu. Oui, c'est possible d'être riche en suivant l'évangile et en travaillant honnêtement, en ayant l'intelligence et la sagesse divine déployée au travers des idées que Dieu nous donne. Dieu est capable encore aujourd'hui de rendre des hommes extrêmement riches. Quelqu'un m'a dit, pasteur, je lis attentivement la question, chaque fois qu'un prédicateur veut justifier sa prospérité, oui, là c'est la question de Patricia Wafo, il cite des exemples tels que Abraham, David, Salomon,
Et pourtant, aucun de ces personnages bibliques n'était pasteur. Comment appréhendez-vous cela? Oui, et encore c'est vrai, aucun de ces personnages n'était pasteur. Sauf que, selon les dispensations, Dieu a traité avec des rois, il a traité avec des sacrificateurs, il a traité avec des prophètes. Et dans notre dispensation aujourd'hui de la grâce, nous avons des pasteurs qui ont été établis par Dieu justement pour pouvoir amener les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les enseignants pour amener le corps de Christ justement à la perfection et permettre à chacun d'entre nous d'accomplir justement le mandat que Dieu lui a assigné. Donc je ne peux pas de facto dire que bon, mais parce que quelqu'un, parce que ces hommes n'étaient pas pasteurs, Dieu ne peut pas enrichir un pasteur. Non, ce n'est pas vrai. Il y a aussi des pasteurs qui sont impliqués dans des affaires. Je connais des pasteurs qui sont dans le pétrole, qui sont dans des activités parallèles. Ils ne vont pas le dire sur la chair. D'autres préfèrent, dans le secret, préserver ce qu'ils font. C'est leur droit le plus légitime. Ils font des affaires, ils font des affaires qui rapportent beaucoup d'argent. Donc, juger de prime abord en disant, bon oui, ce pasteur, il a par exemple une dette privée, ça veut dire qu'il a eu à partir des fonds d'église. Souvent, c'est de l'amalgame. Hein, souvent de l'amalgame, il faut vérifier les informations que nous donnons parce que souvent ces informations sont parfaitement erronées. Je connais aussi un pasteur dont les membres d'église ont décidé de lui offrir un avion. C'est leur droit légitime. C'est leur droit légitime. On ne va pas se mettre à condamner cela. Et puis, en fait, quand on parle d'abondance, combien d'argent on est dans l'abondance? Quand on parle d'abondance, à combien d'argent on est dans l'abondance? Je me rappelle, en 1995, j'ai accompagné un homme à téléphoner. Et on allait à la cabine téléphonique en 1995. Il a téléphoné pour 3200 francs. Et je me suis plein dans mon cœur, disant que cet homme était en train de gaspiller de l'argent. 3200 francs. En 2000, j'étais au Gabon. Un pasteur a dépensé au restaurant environ 250 000 francs. Et dans mon cœur, je me suis dit, il gaspillait l'argent de Dieu. Bon, c'était mon palier, c'était mon niveau. Mais jusqu'où on est dans l'abondance? Il y a des gens qui paient des chambres d'hôtel à 1 million de francs CFA. 1 500 euros par jour, 15 000 euros par jour, 25 000 euros par jour de suite. Bon, ça dépend du palier de chacun. Il faut faire très attention. Mais ces personnes payant ces montants dans les suites font beaucoup de donations pour le social, sont impliquées pour l'éradication de la pauvreté, sont impliquées pour la découverte des vaccins, sont impliquées avec plein d'organismes, plein d'ONG qui travaillent dans le social. Oui, bon, écoutez, à quel palier dira-t-on donc que quelqu'un a abusé? Tout dépend du palier de chacun d'entre nous. Il faut faire très attention. Ce qu'on condamne aujourd'hui, demain on peut se rendre compte qu'on était justement à notre niveau, encore très, 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 très aveuglé. Et je prie pour chacun d'entre nous que Dieu ouvre notre intelligence, que nous puissions savoir quel est chacun d'entre nous par le Saint-Esprit, l'espérance qui se rattache à notre appel. Nous servons Dieu immense, nous servons Dieu tellement grand qu'il serait très mesquin d'avoir des jugements petits. Notre regard devra épouser le regard de Dieu. La richesse, l'or et l'argent, tout ce que nous avons sur la surface terre appartient à Dieu. Donc faisons un effort de n'avoir pas de jugement erroné dans ce domaine précis, s'il vous plaît. Pas du tout. Faisons très attention. Parce qu'il ne faut pas se retrouver en train de condamner ce que Dieu approuve. Okay? Nous sommes les enfants de Dieu, nous devons faire un effort de penser comme Dieu pense. Alors, je vais regarder pour voir s'il y a d'autres questions. Faites-moi parvenir, s'il vous plaît. D'autres questions. Je vais répondre à deux ou trois questions avant de clore. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous avons encore 10 minutes. Alors, je voudrais avoir des questions. S'il y en a, je veux répondre aux questions pour être plus concret, plus pratique. Je regarde là sur YouTube, je regarde là sur Facebook. Quelle est la différence entre la prospérité, l'abondance et la richesse? Alors ça c'est Divine Louise a mis ça. Oui, mais la différence c'est quoi? La richesse et l'abondance de biens. Je peux être riche sans être prospère. Les personnes qui, dans le monde, ont amassé des biens sans Jésus-Christ, ils sont pauvres. Parce que pour moi, si ta richesse n'est que le fait d'avoir de l'argent, alors tu es pauvre. La prospérité commence avec Christ dans son cœur, pour moi. On commence avec Christ dans le cœur et quand ce serait, j'arrive à lever les cédants, on peut être un homme prospère et riche. C'est-à-dire qu'on a fait la démonstration de l'acquisition de la richesse. Que cela, justement, soit le partage de chacun d'entre nous. Je regarde ici. Voici ma question. Ça, c'est Grisi Aka. Certaines personnes soutiennent que les apôtres n'étaient pas riches lorsqu'ils enseignaient. Ils ne recherchaient pas la richesse. Mais pourquoi, en notre temps, nous cherchons tant l'argent que la justice de Dieu? Bon, écoutez. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a beaucoup d'abus. Par exemple,
c'est anormal qu'un pasteur qui va enseigner quelque part dit donnez-moi 200 000 dollars. Donnez-moi 200 000 dollars avant de venir. Et souvent, ils vont dans des pays pauvres. Et ça, ça nous vient de nos pasteurs qui viennent de l'Amérique. On a appris, justement, d'eux aussi certains travers. Mais ce n'est pas normal. Je dis encore, ce n'est pas normal que nous puissions taxer autant d'argent aux gens pour aller prêcher l'évangile. Tous ceux qui font ces pratiques, c'est des pratiques démoniaques et sataniques. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alors, quelqu'un me dira, mais ça veut dire que si on m'invite, on ne doit pas payer mon billet d'avion, on ne doit pas me loger. Non, un pasteur, c'est normal. Qu'il voyage dans de bonnes conditions, qu'il dorme dans de bonnes conditions. Parce que si vous ne le faites pas, vous allez mourir avant votre heure. Il est important d'entretenir votre corps, de prendre soin de votre corps, justement, d'être bien logé, de bien voyager, de bien se reposer, de faire des activités sportives pour être en bonne santé. C'est très important. Cependant, maintenant, négocier des cachets, donnez-moi tel montant avant que je ne vienne chez vous, pour moi, personnellement, c'est mon avis, c'est diabolique. Alors, donc, l'apôtre Paul dit, je n'ai désiré les biens de personne d'entre vous. De personne. Il n'a désiré les biens de personne. Il a dit, de mes propres mains, j'ai appris à pourvoir à mes besoins. Donc, ça veut dire qu'un pasteur peut librement avoir des activités parallèles. Mais il faudra de la sagesse de Dieu pour que l'entrée dans le monde des affaires ne vienne pas occulter, justement, ne vienne pas l'amener à perdre le sens des priorités. Donc là, il faut avoir la sagesse de la délégation justement d'autorité au niveau de ses affaires. Par exemple, moi, je suis un prédicateur, un enseignant la parole, un prophète de Dieu, j'annonce l'évangile, mais j'ai des activités qui marchent, que ce soit ici ou dans d'autres continents. Je ne suis pas moi-même à la tête de mes entreprises. Et aujourd'hui, j'ai même eu la sagesse de ne pas apparaître. Vous voyez, pourquoi? Parce que justement, je veux être consacré à la tâche principale qui est celle d'annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? Jésus est mort à la croix pour moi. Qu'est-ce que c'est la démonstration de sa justice? C'est justement que je sois en bonne santé, c'est justement que je sois libéré des malédictions, c'est justement que je vive l'abondance qui m'a été annoncée. Ça fait partie des œuvres de la justice. Eh bien, ma soeur, oui, c'est ça. Les œuvres de la justice, justement, c'est aussi ça que de voir la démonstration de la parole de Dieu s'accomplir dans nos vies. Une autre question, ça nous vient de, je prends comme ça à la volée, de Boudja Ikangela. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. En regardant Genèse 39, sur Joseph, la Bible dit que l'Éternel fut avec lui et il prospérait. Et la présence de Dieu qui l'a rendu prospère. Bon, la Bible dit de Joseph, qui est déjà dans la citerne, dans la maison de Potiphar et même en prison, que la prospérité l'accompagnait. Donc c'est pour dire que, quand on parle de prospérité, c'est la faveur de Dieu. La faveur, dans ce contexte, la faveur de Dieu qui était avec lui. Le fait que Dieu était avec Joseph, le fait que Joseph était un projet de Dieu en marche, partout où Joseph allait, la main de Dieu était avec lui. Dieu provoquait justement les circonstances favorables à son égard et Joseph, justement, prospérait dans tout ce qu'il entreprenait. Dans la maison de Potiphar, Potiphar a connu la prospérité à cause de la présence de Joseph. Si dans l'ancienne alliance, on a vu un homme, juste sa présence dans un endroit, les biens de Potiphar ont commencé à prospérer. À plus forte raison, dans la nouvelle alliance. Non, c'est à cause de toi peut-être que dans cette entreprise, il n'y a pas de faillite. À cause de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Tu es le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite au-dedans de toi. Non, mais c'est anormal que tu puisses penser que ta présence quelque part n'amènera que la pauvreté. Non, non et encore non. Non, ta présence dans une entreprise va déclencher un cycle irrévocable d'une prospérité insolente. Notre Dieu est capable de choses les plus incroyables. Et vous savez, si l'abondance a été annoncée par Dieu, obtenons l'abondance de Dieu. Et donc, ça veut dire que les critères avec lesquels nous allons juger, c'est justement la main qui nous apporte. Si c'est la main de Dieu qui apporte à ta vie, c'est que le présent que tu reçois vient de Dieu, il ressemblera à celui qui te le donne. Vous savez que si un chef d'État vous invite pour donner un cadeau, il vous donnera un cadeau selon la statue et le rang qu'il a. Mais si Dieu veut faire un cadeau à son enfant, mais vous imaginez ce que Dieu est capable de donner à son enfant, ce ne sera pas la maladie, ce ne sera pas la pauvreté, ce ne sera pas le désert, ce ne sera pas les malédictions. Non, Dieu te donnera ce qui lui ressemble. Il faut voir, quand il a créé l'homme, il a dit, il vit tout ce qu'il avait fait et cela était très bon. Tout ce qui est bon vient de Dieu, tout ce qui est mauvais vient du diable. Il n'y a rien de mauvais qui est en Dieu. Même si Dieu a la capacité de déclencher un cycle, justement une saison de malédiction, mais il le fait dans la vie des personnes qui l'offensent, des personnes qui transcendent sa parole, des personnes qui se lèvent contre lui, des personnes qui pêchent contre lui. La première malédiction prononcée sur la surface terre a été prononcée par Dieu lui-même.
il a maudit le sol à cause d'Adam, à cause de sa rébellion, à cause justement de l'abandon de des voies que Dieu avait tracées pour lui. Que cela vraiment ne soit vraiment pas ton partage, que cela ne soit vraiment pas ta portion. Je prie de tout mon cœur, je voudrais vraiment m'arrêter là aujourd'hui, je prie de tout mon cœur que chacun d'entre vous, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes ancré, s'il y a une autre question, je vais la prendre rapidement. S'il y a une autre question, je la prendrai. D'accord, je vois que vous me faites beaucoup de signes au niveau de la régie. Envoyez-moi les questions. Oui, balancez-moi sur ma table les questions, posez-les là. Je vais les prendre. Merci, on y va. Pourquoi on a l'impression que seulement les pasteurs prospèrent au détriment du peuple? Et là, c'est ce que je condamne. C'est ce que je condamne. C'est très aberrant. J'aurais aimé avoir le nom de la personne qui pose, mais ce n'est pas grave. Cette question, c'est aberrant. Ce n'est pas les pasteurs seuls qui doivent prospérer. Non. J'ai dit encore que nous avons reçu la grâce de conduire le peuple dans la jouissance de la richesse. Et si nous n'enseignons pas les codes d'accès, les principes, les lois, les mécanismes qui donnent au peuple d'avoir accès à la richesse, eh bien, les pasteurs vont amasser les offrandes et les dîmes, ils vont s'enrichir et le peuple va s'appauvrir. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Il faut vraiment que ça change et c'est la question pour laquelle Dieu m'a suscité. Et c'est pour ça qu'avec audace et courage, je dirai toujours la vérité afin que nous puissions justement avoir quelqu'un d'autre qui donne un autre son de cloche. C'est l'évangile pur. Gloire à Dieu pour ceux qui ont reçu une autre grâce. Moi, ça fait partie des choses que Dieu m'a mandaté. J'enseigne la foi, j'enseigne la prospérité, j'enseigne la guérison. C'est les trois grands axes des messages que je prêche. La foi, la prospérité et la guérison. Et nous voyons des miracles les plus impressionnants s'accomplir chaque fois à l'univers du possible. Des gens guéris et restaurés. Mais quand Jésus guérissait les malades, il dit, allez, donnez-leur vous-même à manger. Mais pourquoi est-ce qu'on va ressusciter un mort et le laisser dans la famine? Il faut bien que ce mort puisse avoir à manger. Comment aura-t-il à manger? Il faut bien qu'il y ait de la richesse disponible pour que ces personnes puissent avoir de quoi manger. Alors, une autre question. Le chrétien peut-il réellement être riche et ne pas tomber dans la vanité et dans l'orgueil? Oui. Le premier homme que Dieu a créé était riche. D'ailleurs, Dieu qui a écrit l'évangile, il a écrit dans la perspective d'un être riche. Donc, en fait, l'évangile s'adresse aux personnes qui ont une richesse d'entendement. Donc, écoutez, pourquoi est-ce que les gens tombent dans le travers? C'est des mauvais enseignements. Parce qu'on nous a enseigné qu'il faut avoir l'argent pour l'argent. Les gens veulent avoir l'argent juste pour se faire voir. Ils veulent avoir l'argent pour le show. Non, je me rappelle ce pasteur chez qui je suis allé. Ça, c'était à l'époque. Quand je roulais tout jeune dans une Porsche, je suis arrivé chez le pasteur. Il m'a dit, si j'avais cette voiture, je ne dormirais pas chez moi aujourd'hui. Et donc, je lui ai dit, c'est justement la raison pour laquelle Dieu ne t'en donne pas. Parce que la richesse, on ne l'a pas. Justement pour exprimer nos appétits charnels. Il faut faire une différence sérieuse entre le plaisir et le bonheur. L'argent peut produire le plaisir, ce plaisir qui va satisfaire la chair. Mais le véritable bonheur, c'est l'accomplissement des desseins de Dieu avec la richesse que Dieu nous a donnée. Et c'est pour ça que le peuple d'Israël apportait la richesse, justement pour que le tabernacle soit bâti avec la richesse qu'ils avaient. Et ils ont traversé le désert avec cet argent, avec cet or entre leurs mains, mais ils n'ont pas fait de commerce. Là, les vêtements qu'ils avaient sur eux, comme dit la Bible, les mêmes vêtements étaient préservés pendant 40 ans. L'enfant qui avait un an à 41 ans portait la même chaussure et le même vêtement, qui avait grandi sur son corps. Dieu nous montrait justement la sagesse que nous devons avoir dans la gestion des ressources. La vanité n'est pas notre partage. Nous devons bannir l'esprit de vanité, l'esprit de cupidité. Ce n'est pas de bonnes choses. Et puis, je veux toucher le cas de ceux qui font des consultations prophétiques. Amenez une offrande aux prophètes pour qu'ils vous reçoivent. Ça, c'est du pipeau. C'est du mensonge. C'est de la séduction. C'est de l'abus. C'est de l'escroquerie. Ouais. Parce que Jésus n'a reçu personne en demandant de l'argent. Personne. Personne n'a payé pour être reçu par Jésus. Oh, on ne verra pas. Vous n'allez pas voir un serviteur de Dieu les mains vides. Si un serviteur de Dieu vous pose pour condition première, donnez-moi de l'argent avant que je vous reçoive, n'allez pas chez cet homme. Il n'a pas un bon esprit. Non, il n'a pas un bon esprit. Dieu veut que nous puissions être reçus gratuitement par les pasteurs. Maintenant, si en retour, tu veux exprimer ta gratitude, ta reconnaissance, en apportant une bénédiction à cet homme de Dieu qui t'a enseigné la parole, qui a été une bénédiction pour ta vie, fais-le librement, mais pas sous une imposition soi-disant prophétique. C'est de l'arnaque. Ces eaux qu'on vend, ces huiles qu'on vend, ces crayons qu'on vend, ces bics qu'on vend, ces cailloux qu'on vend. La maison de Dieu qui était supposée être une maison de prière est devenue une caverne de voleurs, de trafiquants. Ce sont des choses à bannir. Dieu n'a jamais demandé que ce genre de commerce soit installé dans sa maison.
Fuyez les endroits où on pratique de telles choses. Ce n'est pas de Dieu. Je dis encore, ce n'est pas de Dieu. Nulle part dans la Bible, vous ne verrez ces choses. Jésus n'a pas fait ça. Il est notre modèle parfait. Regardons à lui. Donc, il y a des choses qui ont été acceptées dans l'Ancien Testament qui ne sont pas dans le Nouveau Testament. Jésus est notre modèle parfait. Oui, modèle parfait par excellence. Faisons très attention. N'entrons pas justement dans ce genre de travers. Ok, est-ce que Jésus a parlé de la prospérité matérielle? Voyez-vous, quand il dit, si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que le poids de la pauvreté? Moi, j'ai été dans la pauvreté, j'ai vécu dans la pauvreté. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai passé mes premiers jours à la gare de bus. J'ai fait 3 mois dans un camp de réfugiés. J'ai eu 15 000 francs de salaire pendant 2 ans. Donc, je sais exactement ce que c'est être pauvre. Personne ne peut être heureux dans la pauvreté. Personne. Personne ne peut s'épanouir dans la pauvreté. Et je vais te dire, toi qui m'as posé cette question, même ta propre femme te quittera si la pauvreté est rattachée à ta personne. Même tes propres enfants, justement, vont préférer être appelés l'enfant du voisin riche au que de s'identifier à toi en père pauvre. Dieu ne veut pas que nous soyons pauvres et n'embrasse pas la pauvreté. Maintenant, si il te semble difficile d'avoir accès à la richesse, il faut aller donc écouter les enseignements que j'ai fait dessus. Tu vas te rendre compte que c'est possible. Et si on peut être guéri, si on peut justement être restauré dans son âme, pourquoi pas prospérer. Je termine en disant ceci. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, Dieu m'a oint. C'est Jésus qui a dit, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Quelle bonne nouvelle on donnera aux pauvres, si c'est de lui dire que la pauvreté aura une fin, ou bien qu'elle prend fin dans sa vie. L'onction qui guérit le malade, si on accepte qu'en un seul jour, juste par une prière, quelqu'un soit guéri soudainement, pourquoi ne pas accepter que cette même onction est capable de restaurer la vie d'une vendeuse arachide, d'en faire d'elle une femme prospère dans la communauté? Pourquoi? Parce que le diable nous fait croire que non, la richesse n'appartient qu'à ceux qui ont signé un pacte avec le diable. C'est un odieux mensonge. Je te regarde dans les yeux pour le dire, toi dans les yeux pour te le dire. C'est un odieux mensonge. Et ce serait terrible pour toi de focaliser ta vie sur une telle erreur, sur un tel mensonge, sur un tel voile qui a été placé justement par l'évangile que nous avons entendu avant. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Il faut que ça change. Et par toi, j'espère vraiment que cela changera. Que Dieu te bénisse richement. Je vais recenser les questions que vous allez continuer d'envoyer. Peut-être qu'il faudra avoir un deuxième direct avec vous, mais à cause du temps que nous avons imparti, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ose croire que mes propos ont été pour certains d'entre vous une lumière, pour d'autres un enseignement, et peut-être même pour d'autres un objet peut-être de rejet. C'est ainsi l'évangile. Il y a ceux qui vont l'accepter, il y a ceux qui vont le rejeter. Mais la parole ne marche que pour ceux qui l'ont reçu avec foi. J'espère que tu fais partie de ceux qui l'ont reçu avec foi. Et je te garantis, comme autour de moi, je dis bien autour de moi, j'ai vu des personnes qui sont sorties de la pauvreté, des personnes qui avaient des salaires de 200 000, 300 000, qui ont été élevées et qui sont restées humbles. D'ailleurs, j'ai des cas, des personnes riches autour de moi, humbles, des personnes humbles, je dis bien encore humbles. Vous savez, on ne peut vraiment pas connaître l'humilité d'un homme quand il est encore pauvre. C'est sur ça que on se dit au revoir. Et à la prochaine, j'espère que Dieu vous bénisse. C'est ma prière. Que Dieu étende sa main sur ta vie. Que sa puissance se déploie en toi et par toi. Et que ta vie soit une parfaite illustration de l'évangile. Que tu sois un épître vivant, démontrant à ta génération que la parole de Dieu marche. Et que quand on croit en Dieu, justement, le miracle est possible. Et qu'est-ce que c'est le miracle? C'est qu'il s'accomplisse dans la vie de quiconque croit quelque chose qui ne sera que la conséquence, la résultante d'une opération divine en action au travers de la vie d'un homme. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Et j'ai dit 3 fois Amen. Ensemble, on y va. Amen. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime et à la prochaine. C'était Raoul Wafo, votre serviteur. La résultante d'une opération divine en action au travers de la vie d'un homme. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Et Jésus, 3 fois Amen. Ensemble, on y va. Amen. Amen. Et Amen. Que Dieu vous bénisse, je vous aime et à la prochaine.